Tous, rebonjour à tous, nous sommes de retour sur Rotato. Et nous avons arrêté notre obsession pour l'ingénieur. On n'arrêtait pas de l'essayer de le faire. On n'a jamais réussi à le battre. Donc, ce qu'on peut se tenter, c'est bien d'autres trucs. Donc, du dégât élémentaire, on pourrait se tenter celui-ci ou le vieux. Et en vrai, tenter le mutant serait pas mal. Je vais tenter le mutant pour l'enlever un peu. On va l'essayer en full distance. Donc je pars sur gagne plus facilement de l'XP avec lui, donc on va pouvoir. Ça fait un petit niveau bien comme il faut. On va pas partir sur de l'ingénierie ou de la mêlée, un peu de résistance là, il n'y a pas ce qu'il me faudrait. Un peu de vitesse. Chance de critique, c'est en plus haut, ouais. On va prendre le pistolet. Et tout est plus cher, donc est-ce qu'on prend le laser? Je crois pas. Repousser, ça peut être bien. Dégâts à distance, ça peut être bien. Oui. Vitesse d'attaque, c'est bien pété. Hop là. On en repousse, tournons la page. On a le rayon laser. Je me tâte, hein, à prendre le rayon laser. Ah, voilà. Ça peut être bien mieux. Portée de réaction, ça peut être intéressant, mais pour l'instant, on essaye d'économiser un maximum. Le repousser sur ses armes, c'est bien, là. Du coup, je leur tire dessus et recule. Aïe! Oh putain! Je m'attendais pas à la charge. Expérience monte portée. La portée, la vitesse, c'est bien. Le vol de vie, c'est très bien. Tourelle, pas plus que ça. Le coupon, ça peut être bien. Les brûlures, ça pourrait être bien aussi, mais pour l'instant, on va voir. Vitesse d'attaque mêlée, vitesse d'attaque. Dégâts à distance. On bloque. Prendra de la portée plus tard.
réussi à vous ramasser. Régénération vitesse, c'est pété. La vitesse, j'aime bien. Armure. Mon autre vis à pompe. Pôle de vie, PV max. PV max. Vitesse d'attaque, choisir. Vol de vie, choisir. Moment la portée diminue, il faut que je reprenne un peu de portée. Pas réussi à tout raser. Vol de vie encore. Parti de dégâts.
Régénération, non. Peu de chance. Les attaques. D'esquive. Compliqué tout ça. Le jardin, non. Moins fond d'esquive. Oui. Vol de vie, vitesse d'attaque. Vitesse d'attaque. Hop, les dégâts. Ah! Esquive, vitesse de sable, d'attaque. Il y a de mêlée des guerres.
On s'est pris un peu dans la tronche. Allez, venez là, les trois ducs. Waouh. C'est bien fou, hein. Que du max. Yes. Doubler la valeur de notre valeur massée, chance, ingénierie, moins de dégâts. Putain, c'était trop dur. Ah, c'était trop dur. Nouvelle partie. Donc, lui, c'était dur. Dégagez tous les dégâts à distance. Le généraliste. Bon, on va se tenter de dégager le généraliste. Plus 50% d'ennemis. On se tente le généraliste. Voilà, on peut prendre ça, sa distance. Lance shuriken. Peut être rigolo. J'étais bien avec le. Avec l'autre, mais putain, je faisais pas assez de dégâts pour flagrant. Vitesse d'attaque.
Un petit généraliste avec, avec le shuriken et tout là. D'avoir un truc intéressant. Vitesse, régénération, dégâts de mêlée. Hop. Ça pourrait être bien à un moment ou à un autre. Je l'ai bien pris dans la gueule celui-là. C'est là aussi. Peut-être que j'arrête de me jeter sur les petites boules rouges. C'est pas des bonbons. Moi, je me suis carrément jeté sur un game. Dégâts à distance. Est-ce qu'il vole de vie plus vitesse d'attaque? Vitesse d'attaque. Ce qui me ferait bien marrer au milieu des shurikens et des lances, c'est d'avoir un minigun. Ça serait rigolo. Récolte armure, vol de vie. Non, rien. Shuriken 2. Moi, générique, j'en ai pas pour l'instant. Récolte. Rien. D'accord. Il faut des bonnes ingénieries au cas où.
Okay. Est-ce que je vais réussir à passer la 15 avec lui? Pas sûr. Aïe. Ça va être bien. Dégâts élémentaires, moins de dégâts. C'est un Oui. Ça passe. Ça passe, ça passe. Le repousser, c'est bien. 8 de dégâts, c'est incroyable. Ingénierie, armure, peut-être. Ouais, l'armure, c'est bien. Récolte, chance. Une balle inflige moins 50 de portée, moins de rolls. Ah! Ah! Faire à la vague 10! Putain! Plus ça va, moins ça va. Ah, j'ai fait réessayer, merde.
Le lance-pierre, allez. Prends des trucs ridicules. Un truc pour remonter la critique et je l'ai même pas pris moi. Pas réussi à buter l'autre. Vitesse, un peu moins de chance. Ah, ça peut être rigolo ça. Si je fais un truc comme ça, tac, je mets ça. Je passe à un moment ou à un autre. Cher.
Je vais remonter mes points de vie à ce point-là. Je sais pas, je me rends pas grand compte. Continuons. La portée. Dégâts élémentaires, moins de gamme. Ah, il n'y a rien de ce que je veux. Passe mon temps à rôle, je vais rien avoir, c'est sûr. Aïe! Oh putain, quel con, je cours dessus! Je cours dessus, ingénierie, vitesse d'attaque. J'en ai quasiment pas d'ingénierie. Dégâts de mêlée. Dégâts d'explosion. Aïe! On a la vague 9, tout à l'heure on a crevé à la vague 10, faut aller plus loin, faut aller plus loin. Toujours plus loin, plus fort, plus vite. Jusqu'au bout de l'extrême limite. Extrême limite. Au secours! Augmenter la portée 45, ça fait bien. Est-ce qu'il y a régénération de vie, vol de vie? Plus haut en vol de vie. Et l'esquive, moi je veux bien l'esquive.
m'a l'air un peu mieux. Avec Bolt, on a mis une poste encore. Pense que là, ça pourrait être bien. Et gagner puissance à réduire la portée, ça peut être bien. Jusqu'au bout de l'extrême limite. Au niveau des dégâts, c'est pas mal. Moi, je trouve qu'on est pas mal. Remonter la chance de critique. Faut pas mourir ce tour. Waouh, il m'en met un deuxième. Riposte encore. Ah! Oh putain, le con! Ah! Oh putain! Il reste 7 secondes! Il reste 7 secondes! Wow, j'ai réussi à me recharger au dernier moment. Dégâts à distance, hop là. Et dégâts tout court, hop là. Jusqu'au bout de l'extrême limite. Donc là, on prend plus de dégâts encore. La riposte, le lance-pierre, je peux rien faire. Ça, c'est beau. Armure, vitesse, c'est bien, mais faut le garder pour plus tard. Mais ça c'est trop bien, mais faut le garder pour plus tard.
Ah putain, il m'a touché. Ah, ils font chier avec leur boule rouge là. Wouah, j'arrivais au milieu. Dégâts élémentaires. Armure, peut-être armure encore. Dégâts à distance, c'est trop bien parce que ça augmente les dégâts mêlés. Lumine, ça peut être rigolo, Lumine. Aïe! Ah! 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 J'arrive pas à les buter, c'est con. Pas assez de puissance à chaque fois. Minigun, faut que je passe un tour de plus. Ça c'est bien aussi. J'ai pas de puissance élémentaire, mais. Y a pas d'autre élite, le prochain élite c'est beaucoup plus loin. On a les vitesses d'attaque aussi, vitesses d'attaque ça peut être bien. Je sais pas simple. Ça peut être rigolo, ça.
Merde, je me suis mangé les direct dessus. Oula. Les gars en mêlée distance, moi je sens 6 des esquives. J'aime bien le garder celui-là. Voilà. J'ai réussi à le buter. Par contre, j'ai laissé les œufs pousser là. C'est moins drôle. J'étais tellement concentré sur lui. C'était n'importe quoi. Le parent. Charge de critique portée. Un petit dernier tour. La massue, oui! Ça annule un tir. Putain, j'ai toujours rien au cac là. Si je pourrais la remplacer, celle-là, elle est un peu tâche dans mon build. Voilà, le dégât que je fais, c'est insane. Est-ce que ça va être utile pour la dernière vague? Je sais pas, mais... On va mettre la tourelle explosif, mais non. Allez, dernier boss. Allez. Ah! Ah! Ah, faut que je me recharge. Ah! Enfin, putain, je finis avec quelqu'un. Le généraliste. Et je débloque gros bras.
Putain, sa mère. Sa mère. J'ai pas tant galéré en plus aujourd'hui. J'ai pas tant que ça galéré. J'ai galéré un peu, comme t'as vu. Une heure de galère, mais j'ai réussi. Voilà, nouvelle partie. Ah, c'est beau, regarde ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça en fait deux votes. Le bruyant. Multitâche. Plus 1%, vous pouvez équiper jusqu'à 12 armes à la fois. Moins 5 de dégâts pour chaque arme que vous avez. D'accord. Plus t'as d'armes, plus. Voilà, le multitâche, j'ai bien envie de le tester. À nouveau. C'est quoi lui à côté? Le saut à long, plus 30% vol de vie avec les armes de type primitif. Vous commencez avec un bâton, vous ne pouvez pas équiper d'armes au-dessus du grade 2. Ouais. Ouais. Essayons le multitâche. Lilou Dallas multitâche. Il y a toutes les armes. J'ai bien envie d'essayer. Chaque arme que vous avez. Peu importe l'arme que j'ai. J'ai envie de tenter un full shuriken, ce serait marrant. Full shuriken critique. Ça pourrait être full débilos, mais est-ce que ça va être faisable surtout? Aïe! J'ai de survie. Dégâts en mêlée, portée, ingénierie. On va augmenter la portée. Shuriken. Monte les dégâts à distance. Randomise. 130, on peut augmenter la portée. Que vous avez moins 15 de dégâts. Faut faire les grosses armes le plus vite possible. Aïe. Oula, laisse-moi fuir. Ça va être compliqué là. Il va falloir de la vitesse de déplacement là, je crois.
Ah! Dur. Alors, la vitesse d'attaque aussi, c'est bien. Et on se passe le week-end. Sans vitesse de déplacement, ça va être compliqué. Hein. Wa. Wa. Ah, 7 secondes au secours. Il faut de la vitesse de déplacement, c'est sûr. Hein. Là, je n'arrive pas à l'espérer. Vitesse, oui. Hyper vitesse, oui. Ah! Oh putain, il est trop dur, lui. J'ai tenté un truc, mais attends, je vais essayer. Et même si ça baisse l'attaque, faut que je prenne toutes les armes que je puisse, et après, les augmente au fur et à mesure. Aïe! Crois que c'est pas encore ce pour moi le multitâche, hein. J'ai toujours pas compris comment ça se jouait. Ça.
On verra plus tard. Je suis à 12. Ça va un peu mieux avec mes 12 armes. C'est peut-être comme ça que ça se joue, ce merde. Va essayer, j'en suis déjà, quoi. Aïe! Aïe! Oh, c'est trop dur. Le multitâche, je sais pas encore comment jouer. On va essayer de jouer autre chose. Alors, plus de 100% à la vitesse d'attaque avec les armes de type médical. Plus 5 de régénération de PV, la régénération de PV est doublée. Plus 5 de récolte, vitesse, moins 100% de vitesse d'attaque. Les modifications d'armure sont réduites de 50%. Dans le médecin, joue en pistolet médical. Toum, toum, toum.
Ah, c'est moins impactant que certaines armes. La vitesse d'attaque. Dégâts en mêlée, je m'en fous un peu. Régénération. J'ai oublié ça. Le temps de tout ramasser. Dégâts, ok. Le sinon, je sais pas. J'ai envie de continuer à chercher. Alors, la scie circulaire, lame médicale, dégâts, mêlée. J'ai pas envie, hein. J'ai envie de full pistolet médical. Ouais, on va tenter la game full pistolet médical. Ah, ça passe, mais un peu tendu. Un peu de vitesse. Dégâts élémentaires. Non.
J'ai pris les balles rouges en queue. Merde. Passe. Oula, calmez-vous les gars. Mon Dieu. Pas besoin de tout ramasser, mais on s'est bien démerdé. Oh oui, la vitesse d'attaque augmente. Ok, la portée augmente aussi, ça sera pas mal. Vitesse d'attaque. C'est bien. Oh putain, salut les streamers, bienvenue. Nous sommes sur Brotato. Et on s'éclate. Aujourd'hui, on y arrive un minimum comparé aux autres. À jeudi dernier, on y est mieux.
On a réussi à finir avec le généraliste et là on a un médecin qui avance. Là, on va voir avec comment ça se passe avec les amis de élite, mais bon, pour le moment on est pas mal. Ah, régénération. Celui-là, je peux le prendre, hein, je pense. Pôle de vie, régénération, hop là. Oh putain! Oh, t'énerve pas! Oh. Bon, je me suis porté la guigne en disant que ça se passait bien. Oh putain! J'étais bien et tous ces traits sur la truc, j'ai vu rouge là. J'ai vu sombre. Bon, on réessaye. Je garde. Je garde. Et ça. On attaque pas si mal. On attaque pas si mal. Un peu trop lent. Distance, portée, ingénierie, dégâts alimentaires, ça peut être bien. Yes, régénération. Le reste, on s'en fout. Tournage. Ça, on s'en fout peut-être pas. Voilà. Vitesse d'attaque portée, ça peut être bien. Voilà. Ça fait moins de dégâts que tout à l'heure. Là, cette vague-là, je m'en étais mieux sorti. Thank you.
Bol de vie. Élémentaire, allez. Voilà. Les menottes, ouais, mais ça. Les PV max sont plafonnés, ouais. Ça fait chier. Peut-être intéressant, mais il faudrait que je vois. Ah, quand je peux les claquer. Ah, je me suis fait toucher. Oui, ça c'est bien. Un peu de vitesse, il m'en faut, je n'ai pas des masses. 15 points de vie, c'est vraiment pas ouf. Ça peut être rigolo. Nous donner de l'espace. Tac, tac, ta, ta, ta. Vas-y, vas-y. On se prend des dégâts, mais bon. Avec les régènes des armes comme ça devrait aller. Oh, je reprends un peu d'armure. Les dégâts à distance. Là, j'ai oublié de prendre le coupon. Oh, là, magnifique! La synchro de tout, des 6 armes en même temps. Bon, un peu plus de dégâts que tout à l'heure. Ça, c'est bien. Oh, dégâts distance! Moins cher. Régénération et PV, moins de chance. Bam! Ça en prend aussi. Ouais, je le prendrai quand je serai à 52 de vie, celui-là.
Ok. Ouais. Voilà. Ouais. Plus ça. Ouais. Là. Porte à vitesse d'attaque, moins de vol de vie. On s'en fout du vol de vie. Là, je gagne du vol de vie aussi, donc ça peut être bien. On a la vague 10. On est mort à la vague 11 tout à l'heure. Train de prouver qu'on est capable de le faire. Tu es capable de réaliser tes rêves. Tu es capable. Vitesse, ça peut être bien. Vitesse d'attaque, c'est très bien. Ça. Alliage, dégâts, distance, mêlée, ingénierie. Moins d'esquive, on s'en fout. Ah! Ah! Vitesse d'attaque, moins de dégâts, pourquoi pas. Je sais pas si ça augmente la vitesse d'attaque de mes armes, du coup. Narration PV. Il est là, lui. 100% de vitesse d'attaque avec des armes de type médical. Donc ça fait. Ouais, d'accord. Bon, je sais pas. Je prends la vitesse d'attaque pour réduire ma vitesse d'attaque. Et je l'augmente après, mais je sais pas ce que ça donne. On verra bien. Dans l'absolu, j'ai l'impression que ma vitesse d'attaque augmente parce que. Ah, au début, ça faisait pouk pouk pouk, maintenant ça fait pouk 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 pouk, mais. Ah! Attends, j'étais coincé. C'est trop bien. Ça peut être bien.
Oh la folie quoi. Les voleurs s'activent rapidement, mais j'ai pas le truc qui déclenche le voleur. J'ai le truc qui se propage, mais pas le truc qui déclenche le voleur, c'est un peu dommage. Wow. 10% de dégâts va faire du bien là. Je sais pas, assez d'esquive. T'aurais plein de points d'esquive là, t'aurais plein de pourcentage de dégâts là. On va remonter mon esquive. Alors je bloque, on va voir ce que ça donne. On a lui là, qui pourrait être bien. Non, non. J'ai rien à ramasser parce que j'avais pas fait de dégâts. Voilà l'enfer.
Oh l'enfer, c'est couvert de trucs de merde sur la carte là. Oh, j'ai rien pu ramasser quoi. Je vais regarder s'il y avait un... Wow, je fais des grands tours autour de la map. Non! Putain de jeu de merde! Ça me l'a pas compté. Faut que je me retape Glove Access alors que j'ai failli crever. Ah, mais lâche-moi, toi! Bon, j'ai réussi à survivre encore une fois. Oh, l'esquive. Il y a une qui m'intéresse. Allez, reviens, reviens. Non, pas les œufs, pas les œufs. Ouais, il en pop trop des œufs. C'est une dinguerie, cette élite là. Il est trop dur. Ah! C'est une dinguerie à quel point il est dur ce délit-là. Et j'ai pas eu de chance parce que j'ai pas eu le truc de feu. J'avais plein de trucs qui pour qu'il soit intéressant mon truc de feu et je l'ai pas eu. Bon. Médecin, petite pause, hein. Médecin.
Streamer, c'est quoi déjà? Tous les instructeurs que vous avez. Matériel lâché. Dégâts pour tous les 15 matériaux que vous avez. C'est un peu compliqué. Le spectre que j'ai pas essayé. Spectre, j'ai pas refait. Les armes de type éthéré, plus 30% d'esquive, votre esquive est plafonnée à 90, moins d'armure. On commence par ça, comme ça on a de la vie. Toujours plus d'esquive. Donc 2 comme ça. Les dégâts moins de PV. On la page. On prend ça. Prendra les mines. Bon, les mines, on peut les prendre, c'est toujours un plaisir les mines. Mais esquive, bordel! Je prends des risques et je veux pas esquiver. Un peu de vitesse aussi. Bah, full spectre, c'est pas mal aussi, hein. C'est pas mal aussi, mais bon, on est dans la merde. Là, je ne sais pas bien. Du dégât, du gain d'XP.
Le spectre, il ressemble à rien, mon spectre. Plus à rien, plus à rien, plus à rien. Aïe, aïe, aïe. On se rapproche trop. Je récupère encore de la vitesse, parce que là, je les sème pas assez vite, les mobs. Ils sont vraiment à mon cul à chaque fois. Bon, les doubles esquives, c'était pas mal. C'était pas mal. Si... Putain. Dégâts élémentaires, j'en fais pas. Mais tant pis. Ah, mais voilà. On a une hache. Ça, c'est trop dangereux de le prendre. Ah, mais voilà. On va pouvoir faire des dégâts alimentaires. Je récupère ça pour la porter un peu, parce que j'en ai perdu un peu. Et... Il va en falloir. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est merveilleux ça. Un autre spectre. La portée, je peux pas le prendre du coup. Et là, bon. Vague vide. Pas trop dur encore la vague vide. Là où ça commence à devenir, c'est vague 10. Généralement là où on galère un peu. Ouais, je reprends encore de la vitesse. Reprenne encore de la vitesse. Quoi? C'était pas dur? Putain, mais quel blaireau! Envie de tout casser là, putain. On y retourne. Putain, mort à la vague vide. J'ai voulu le vide, pas se débranler. En disant, oh, mais c'est pas trop méchant, ce classique. Ah oui, c'est facile. Hein. Et ta sœur, elle est facile.
J'ai réussi à prendre ce que je voulais. Ah, les dégâts que ça fait. Faut vraiment que j'ai de la régène sur ce perso aussi. Pas. Si on fait ce qu'on a de toute façon. Combien de vitesse 9? Peut-être un peu plus de vitesse pour le tour d'après. Dégâts élémentaires, moins d'esquive. Ouais, peut-être.
plein. Test d'attaque. Oh putain. Oh mais c'est chaud. Oh, la vitesse d'attaque, oui. Vingt-trois dans la gueule, une touche. Vraiment pas qu'il me touche. Génération, moins 10% d'ennemis, moins 5 de dégâts. Ça peut être bien. Ça peut être bien. Ah! Heureusement que j'ai une esquive. Petit vol de vie, ça serait pas des refus. Hein. Le moins d'ennemis, ça peut être pété. Moi aussi, mais je peux pas le prendre.
Oh, ça va être la merde dès que je vais avoir des élites. C'est au tour d'après les élites. Donc déjà, j'ai pas d'élite et c'est déjà la merde. D'attaque. Oh les dégâts. Ah, plus un dégât pour tous les 18 ennemis que vous avez tués. 9 de dégâts en plus. 8 de dégâts en plus. Plus 1% d'attaque pour tous les ennemis, 18 ennemis que vous avez tués pendant la vague avec cette arme. Si je gagne 4, 7, 24. Oh, c'est le pire, c'est le pire! Oh, je l'aime pas celui-là! Laissez-le s'approcher! Ah! Oh putain, faut que je me casse! En plus dans le bus. Non! Putain, j'ai voulu passer entre deux mobs, mais quel abruti! Bon, ben le spec, ce sera pour plus tard. Le fermier. Le malade. L'économe. Le gladiateur. Plus 1% vitesse d'attaque pour chaque arme différente que vous avez. Plus 5 dégâts en mêlée, vous ne pouvez pas équiper d'armes distance. Alors, tac, tac, combiné, tac. Bâton, non, ça m'intéresse pas le bâton. Dégâts à la portée, peut-être. On verra plus tard. Gladiator, dégâts de distance sont pas fous. Chance de critique récolte. On va pour la récolte. Un silex.
la vitesse, c'est bien. Les dégâts mêlés, c'est bien. La lance, c'est bien. Mais il est lourd. Une massue. Allez. Ah, j'ai pas le temps de ramasser. On va. Vitesse d'attaque, ça peut être bien. Et on va avoir l'épée parce que l'épée elle repousse aussi. Maintenant, faut augmenter les dégâts et la régène vie, un truc comme ça, parce que si je me fais toucher, le repousser serait pas mal aussi. Le point de feu, dégâts élémentaires. Qu'est-ce que je pourrais enlever? Non, en vrai, il me fait un peu de régène, un peu de vol de vie, ça fait plaisir. Oh, ça c'est beau, ça c'est beau. Pour monter l'esquive du coup.
Ouais. Des merdes, pas mal. Je pense que ça peut être bien. Abdoula. L'esquive, on faudrait un peu plus. Oui, j'augmente l'esquive. Bon, les dégâts moins les PV, ça peut être bien. Ça peut être bien aussi. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. On s'amuse un peu plus avec le gladiateur qu'avec le spectre de tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce qui se passe à la fin? J'ai plus besoin de déplacement vite là, je pense. Et en mêlée, c'est bien.
Ok. Oh, c'est aussi un jeu marché en plein dedans. J'essaye, hein, mais... Ça va pas. Waouh, la quantité de blaireaux qu'il y a. Faut pas retourner en arrière, ça aurait été mieux, mais bon. La technique de sucer les bords, hein, ça marche. Oh putain. Le jeu de merde pour ça, t'es chiant là. Comme si c'était la deuxième fois, hein. Et vas-y, faut que je recommence, putain. En plus, j'ai réussi à échapper à la mort de justesse, encore une fois. Arrête de te foutre de la gueule du monde, là, jeu de merde. Je vais pas refaire 150 fois la vague 12, là.
Putain, c'est pas trop tôt. L'enfer. L'enfer. Riposte, ça. La vitesse est plafonnée, ouais, mais bon, c'est ingénierie, génération, on s'en fout. Alors, dégâts de mêlée. Et 52 de régène. Merde! Putain. J'ai pas regardé si je pouvais l'acheter, je suis. Bon, ben j'ai une arme de moins, bravo, c'est aussi. 12% de dégâts en plus, mais une arme de moins. Avec un boss à la con en plus. Ouah, mais je ne fais pas de dégâts. Oh non! Putain, sa mère! Oh là là, putain. Allez, en full magot. On va bien changer. Monter les dégâts élémentaires seulement. On se propager et tout là. Dégâts de distance, dégâts alimentaires. Je suis tellement dégoûté pour le gladiateur. Ça va être bien. Dégâts de perforation, j'en fous.
le temps de tout ramasser. Wouah, putain, j'ai fait crever. Mais non, mais passe! Ça passe tous les jours, là! Oh putain, réessayer. Explosion, on s'en fout, on va pas mettre des trucs avec explosion. Tellement dégoûté. Alors, revenu aux trois baguettes. On n'a même pas réussi à le buter. Wingardou, me lève ça, hein. Lève ça. Vitesse de déplacement, oui, il m'en faut. Dégâts, oui.
Les gardes, les os. Ils arrivent un peu vite, hein. Vous êtes volontaires, hein, les gars. Les gars, je veux, faut vous calmer, hein. Je vais pas m'énerver, je le jure, mais j'ai envie de prier très fort. Dégâts élémentaires sont augmentés de 30%. Commencez avec un serpent, commencez avec une saucisse effrayée. Question de dégâts armés, ils sont réduits 100%, les musiques et les dégâts à distance sont réduits 100%. Ouais, donc en gros, c'est de la merde. C'est que l'élémentaire. Du coup, je suis allé chercher des trucs pour la vitesse d'attaque, mais ça sert à rien. Ah, je l'ai pris, il fallait pas. Ça, je l'ai pris. Ça aurait pu aller. Ça, je l'ai pris, il fallait pas. Est-ce que je réessaye? Bon, je suis pas sûr. Retourner au menu principal. On va s'arrêter là parce que bon, ça m'énerve. Et là, si je relance une partie de 9 minutes. Bon, on a au moins fait 2 en 5. C'est pas comme s'il manquait tous les persos. Mais bon, c'est pas grave. On essaiera la semaine prochaine en étant un peu meilleur. Voilà. Du coup, merci d'avoir regardé la VOD jusqu'au bout. Je vous offre un sourire.